Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo unboxing. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais ouvrir avec vous ensemble une figurine collector numérotée que j'ai reçue il y a quelques semaines déjà. Cette figurine numérotée, c'est exactement la fameuse figurine Spyro que j'ai reçue de chez Fist 4 Figurine, voilà. Vous mettrez le lien du site dans la description de la vidéo. C'est une figurine numérotée, c'est une figurine qu'on commande plusieurs mois à l'avance pour l'avoir. Elle m'a coûté 99$ exactement. Elle mesure 8 pouces, c'est en PVC, peinte, une statue peinte à la main. C'est en PVC, c'est une belle petite statue. J'ai regardé. On la retrouve dans les Leclerc aussi, de forme et de différentes façons. Mais celle-là, c'est l'édition spéciale. Je vais déjà vous montrer la boîte. La boîte qui se présente comme ça, elle est rouge et dorée. Elle est très très belle, avec du bleu, un petit peu comme des rubis. À l'arrière, ici, vous retrouvez, je vais vous faire un petit zoom, vous retrouvez derrière le petit Spyro avec dessous le numéro qui est numéro 2043, exactement, si je dis pas de bêtises. Numéro 2043, comme je disais, et on va déballer tout. La boîte ouverte, voilà, une boîte classique. Dedans, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous pouvons voir déjà une magnifique carte numérotée, voilà, où c'est marqué le numéro de fabrication, voilà, les numérotés bien sûr. C'est vraiment une carte officielle, hein. On peut regarder, il y a le numéro, tout. Alors, elle ressemble à ça, la figurine, voilà. Elle ressemble à ça. La figurine se présente comme ça. Alors, je voulais vraiment vous faire un unboxing sur cette figurine, parce que j'y tenais. J'avais commencé à l'ouvrir, je vous cache pas pour regarder quand même, hein, on va pas se le cacher. Mais je me suis dit, bon, allez, je vais la montrer, parce qu'elle fait partie de la collection, et la collection aussi, vous en faites partie. Voilà. Il y a encore une... Un petit fascicule, voilà, avec différentes, vous voyez, et alors c'est dans le coin, vous verrez celle-là. Après, vous avez la Crash Bandicoot, qui est très belle. Alors moi, c'est la première que j'ai de chez eux. Et vous avez une autre, qui est comme ça, voilà. Si, non, c'est pas la première. Voilà la fameuse figurine de Spyro, qui est juste... magnifique. Je vais essayer de vous faire une façon, parce que j'ai plus mon plateau tournant, j'ai pas récupéré ça. Vous faire une petite photo où je la mettrai, ou voilà, on va faire comme ça. On va faire comme ça à l'arrache, voilà. C'est vraiment, elle est vraiment très très belle. Le petit personnage qui se trouve juste là, je sais plus du tout comment il s'appelle, mais n'hésitez pas à me le dire. Vous avez un fameux rubis, voilà, qui se trouve juste là. Les couleurs sont belles, voilà, regardez ça, elle est très très belle. Les cornes de Spyro sont très belles. La bouche, magnifique. Les petites pattes, c'est juste impressionnant, les petites pattes. Voilà. Elle est très très belle, je vais la mettre, je sais pas où, mais je vais la mettre quelque part dans ma collection. On la verra sûrement dans le décor prochainement, voilà. C'était vraiment une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment une toute petite vidéo, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je savais pas comment présenter ça, j'ai fait ça à l'arrache, ça va vite, il y aura un petit peu de montage quand même. Voilà. N'hésitez pas à aller voir mon compte Utip. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous pouvez regarder jusqu'à 3 ou 4 pubs par jour, qui me rapportera exactement 5 centimes par pub. Et cet argent-là me permettra par exemple d'acheter des nouveaux jeux, d'acheter de nouveaux matos ou autre. Voilà. Je compte sur vous. Vous pouvez faire ça tous les jours, ça vous coûte rien, c'est gratuit pour vous, mais ça me rapporte en total 15-20 centimes. Voilà, si vous regardez 4 pubs à chaque fois, ça me rapporte 20 centimes exactement en total. Voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sont sorties ou des prochains lives qui seront sur ma chaîne. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et puis ciao, bye bye, salut.